Yo Miss Slime, c'est GX, donc aujourd'hui on se retrouve pour unbox un petit colis que j'ai reçu il y a pas longtemps. J'essaie d'alterner un petit peu les vidéos Minecraft et les unboxings pour pas trop poster d'unboxing et pas trop poster de Minecraft, comme ça tout le monde est content. Bref, j'ai reçu ce colis assez petit, mais il est vraiment cool, vous allez voir, enfin il est assez drôle quand même. J'avais déjà ouvert ça pour m'assurer que c'était bien ça ou pas, du coup voilà. On va l'ouvrir les gars. Donc genre j'ai commandé 3 trucs de pâte nettoyante en fait. Du coup je pense que je vais recouvrir tout le clavier carrément. Du coup voilà les gars, j'en ai pris 3 parce que j'en ai eu un réduction. Si j'en prenais 2, j'en avais un gratuit, enfin bref. Et du coup je me suis dit bah pourquoi pas, ça pourrait être fun. Bref, tous les liens sont dans la description les gars. Vous retrouverez les liens sur Amazon pour pas avoir d'arnaque ni rien. Lui en revanche je l'ai commandé sur Amazon donc j'ai pas eu de problème. Mais il y en a beaucoup que je commande sur AliExpress ou des trucs comme ça. Et bah c'est pas trop fiable. Du coup voilà, je fais un petit peu attention quand je commande sur ce genre de site. Bref, alors déjà... Ah d'accord, c'est pas la même chose les gars. C'est pas la même chose. Celle-ci elle est transparente. Elle est transparente et verte. Wouah. Cette pâte elle est un petit peu plus transparente. Ouais, je sais vraiment ce que je vais faire hein. Franchement ça va être grave fun. Les gars, restez jusqu'à la fin parce que je vais tout simplement tirer au sort le gagnant du concours du combo Xenon. Comme ça vous vérifiez si c'est vous ou pas. On va ouvrir le deuxième les gars. Par contre je galère vraiment comme un chien toi genre. Ok, let's go. Mais je pense que je vais les jeter, je vais faire un truc hein, vraiment. Ok, bref. Alors je vous avouerai les gars que mon clavier il est pas super propre. Donc du coup on pourra tester l'efficacité un petit peu de ce truc. Et le dernier jaune les gars, on va l'ouvrir. Bref, donc voilà les gars, ça c'est le jaune. J'ai 2 jaunes et un vert. Ah d'accord, en fait ça colle à mon tapis. Bah d'accord, écoute. Et là ça fait plein de petits trucs. Du coup bah ça nous fait 3 pattes à appliquer, on va voir ce que ça donne. Et puis on va jouer dessus hein, c'est important quand même, on va jouer dessus. On va voir si c'est bien ou pas. En tout cas là comme il est transparent, je trouve ça genre un peu plus fun. Bref, je décale le clavier puis on va tester ça les gars. Puis on va l'appliquer, puis je vais mettre en accéléré ou je vais faire un truc. On va voir, je vais faire un petit truc assez sympathique les gars. Ok donc les gars, on va appliquer les 3 pattes sur le clavier. Donc on va faire ici, ici et ici. Ok, et de 1, de 2 et de 3 les gars. On va voir ce que ça donne. Je mets en accéléré puis on se retrouve juste après les gars. Donc voilà les gars, la pâte est bien mise. Je vais un peu appuyer dessus pour voir pour vraiment bien appliquer quand même. Donc voilà ce que ça donne les gars. Je vais essayer de retirer pour voir ce que ça a enlevé. Et après on va jouer tout simplement sur Funcraft. Tous les liens sont dans la description les gars. Si vous voulez acheter ce produit, bah les gars, tout sera dans la description. Sans arnaque, comme ça au moins vous êtes sûr que vous le recevez, etc. Ça sera sur Amazon, voilà. Bref, pour les intéresser les gars, vous savez où aller. Je vous mets des liens dans la description, comme ça au moins vous êtes sûr. En tout cas voilà, on va retirer quand même le premier pour voir ce que ça donne. Ça, ça se retire bien pour l'instant. Ça a quand même un peu enlevé entre les touches. Et c'est plus pour le fun moi que je le fais. C'est là bah c'est accroché à l'autre aussi. Non c'est bon ça va. Il y a aussi des petites poussières. C'est là bah voilà. Et surtout les formes des touches tout simplement. Donc voilà, je pense qu'on va essayer de recouvrir le clavier. Bah je pense cette partie là du clavier ça peut être assez cool pour jouer. Puis on va voir parce qu'en fait la dernière fois je l'ai fait mais j'avais beaucoup laissé d'espace en fait parce que j'avais qu'un produit. Là j'en ai 3 parce que je l'ai eu en réduction tout simplement. Bref, je vais le remettre sur le clavier les gars puis on va jouer en rush. Donc je suis en train d'appliquer sur la partie là-bas où est-ce que je joue normalement. C'est vraiment galère. Putain, il m'appelle Skype là. Ok du coup les gars j'ai replacé, donc ça donne ça. On voit à travers, ça c'est un point positif franchement. Je vais aller jouer tout simplement sur Funcraft. Je pense que ça va pas être trop être galère. Je vais quand même réussir à bien jouer, c'est pour le fun que je fais ça vraiment. Merci pour tous vos retours les gars, pour tous vos commentaires et tous vos likes. Je suis en train de faire un daily upload, c'est un peu galère à tenir tout simplement. En tout cas voilà, si t'es pas déjà abonné, bah n'hésite pas, abonne-toi. Je fais beaucoup de trucs what the fuck comme ça. Et puis si t'as une idée, bah propose-la moi en commentaire, je la verrai. Likez entre vous les gars, les meilleures idées. En tout cas voilà, ça fait un truc assez stylé quand même. Non vraiment ça fait assez stylé quand même avec le RGB de mon clavier. Bref on va aller jouer sur Funcraft et on se retrouve bah tout simplement en jeu. Du coup les gars on se retrouve sur Funcraft. C'est un petit peu galère quand même de jouer parce qu'en fait regardez là. Genre imaginons que je fasse ça. Et en fait ça risque de rester appuyé longtemps en fait, c'est ça qui est chiant. Mais on va voir, on va jouer contre Stan en 1v1 tout simplement. C'est un petit peu galère, on croyait genre il y a genre plus le son du tout. J'espère par contre tu vas s'en rendre compte Johan, qu'il est un petit peu endormi en ce moment. On va tester tout ça les gars. On croirait genre un clavier un petit peu flexible, bah celui que j'ai unbox. Genre un clavier vous savez où est-ce qu'il y a aucun son et tout. Parce que là vraiment il y a vraiment aucun son. En gros si je le démonte avec ça. Il va péter un câble hein. Moi je le connais, il va péter un câble hein. T-S-R-S. Bah c'est pas écrire. T'es mort. Oh non. Ouf. Oh beau gosse, oh franchement beau gosse. On va relancer une.
Ça c'est horrible. C'est vraiment horrible hein. Hop. On va jouer contre Stan cette fois-ci. Parce qu'en fait ils étaient plusieurs dans le groupe. Du coup vous voyez ma main, c'est un petit peu chaud de jouer avec ça franchement. Surtout la touche espace les gars. Ah je suis en nick, what the fuck. Ah je galère vraiment. Je galère tellement. Non le chien. Non. Enculé. Putain. Et quoi, arrête de me jump toi aussi enculé va. Mais mec gros je vais y casser la gueule. Par contre le produit il sent bizarre en vrai hein. Le touche espace c'est bugué. Oh l'enculé mais mec gros. Putain. Putain gros. Non mais putain. Non bah alors c'est bon, allez laisse tomber. Ah tu m'as énervé. Mais gros j'ai pas appuyé sur cette touche, je suis pas fou. On en parle ou pas qu'on doit faire genre le parcours du combattant là c'est. Gros mais t'as vu comment il confie toi aussi. Il m'a mis deux coups, what the fuck hein. Ah le pauvre. Oh, ils ont câblé. Ah j'ai galère, c'est un truc de malade. Mais non non je vais casser quelque chose vraiment. Et Chazen Mode c'est vraiment de la merde hein. Oh, non mais les clans. Enculé va. Allez c'est bon. Même pas, même pas, même pas. Ah merde. Ah merde. Ah merde. Ça voulait partout. Merde le con. Non non il y en a vraiment partout. Wouah. Ouais bien vu. Bien vu l'aveugle. Du coup les gars on se retrouve pour le tirage du concours. On va rentrer le lien du tweet simplement que vous devez RT. On prend ça. Donc voilà il y a les follow. Il y avait 5 bots, ça je savais pas par contre. Bah tiens, je sors, machin, machin. Ok, donc du coup voilà. Hop, le gagnant est Max de concours. Donc il me suit et il suit aussi l'otari. Donc bah bravo à toi gros. Je vais t'envoyer tout de suite un message gros. Un screen. Je demande aussi de ma vidéo pour voir s'il a liké ou pas. Bref, en tout cas voilà. Merci à tous d'avoir participé. J'espère que ça vous aura plu les gars. Je n'hésiterai pas à recommencer les gars, vous inquiétez pas. Donc il vient de me répondre. Je pense qu'il a assez choqué quand même. Donc voilà les gars, la preuve comme quoi il a liké, l'abonné, etc. Donc c'est très important de respecter les consignes les gars. Parce qu'en fait tout était pris en compte quoi. Donc là moi je suis sûr qu'il est abonné machin et tout. Bref voilà. Quand vous voyez que je fais un concours les gars, faites pas les trucs à moitié parce que ce serait dommage de ne pas gagner tout simplement.